Salut mes allumés de pixels, et j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 2, nous allons faire le tour d'un Flash Cobra. Allez, go! Avant tout, comme vous pourrez vous en rendre compte dans le descriptif de la vidéo, j'ai mis en place une ligne mon matos photo. J'ai encore des choses à y placer, mais déjà ça vous donne une idée du contenu de ma valise photo. Si vous cliquez sur les liens en vert, vous irez directement sur la fiche Amazon du produit. Alors, je ne le cache absolument pas, c'est une affiliation. Ce qui veut dire que je toucherai, si vous passez par ce lien, pour acheter un matériel de ma liste, quelques centimes, voire quelques euros, si c'est quelque chose d'assez cher. Entre nous, bon voilà, je pense que c'est de bonne guerre, voilà, je fournis des tutos gratuits. Et donc justement, les abonnés satisfaits de la chaîne pourront me remercier d'une certaine façon en achetant par ces liens. Merci infiniment à ceux qui y penseront. Je vais ici utiliser mon Yongnuo YN560 version 4, car c'est un flash assez réputé pour son rapport prix-performance et donc très accessible pour les débutants, les amateurs éclairés ou les professionnels. Et je sais que pas mal d'entre vous le possèdent déjà ou aimeraient le posséder. Sachez qu'à quelques différences près, ce que je vais vous montrer sur ce flash, vous le trouverez sur d'autres modèles. Voici donc le bébé. Non, je rigole. Le nôtre est beaucoup plus petit en main et ne vous fera pas perdre de points. D'abord, vous fixerez votre flash cobra sur le sabot de votre réflexe ou sur un support pour flash cobra qui se fixe sur un trépied. Oui, et c'est le retour des minines. Donc pour le coup, je trouve plus sympa de vous montrer mon flash en vidéo plutôt que tout le temps en image. Vous remarquerez en dessous de votre flash qu'au niveau donc du sabot, il y a un petit picot de contact. Ce qui atteste que c'est un flash manuel, et donc sans certaines options. Et oui, ici par exemple, sur mon flash SB800 de Nikon, il y a plusieurs picots. Ça veut dire en gros que chaque picot correspond à une fonctionnalité. Il y a les picots de contact pour le déclenchement, il y en a un qui veut dire que c'est un flash TTL, un autre qui est le contact pour l'illuminateur d'assistance. Ça, c'est ce qui permet en basse lumière de faire apparaître un faisceau lumineux, voilà comme ça, pour faire la mise au point plus facilement. L'intérêt principal du flash cobra est son faible encombrement et sa tête rotative. Donc vous voyez, comme elle tourne parfaitement, afin que je puisse en fait envoyer l'éclair de mon flash où je le souhaite. Que ce soit directement sur mon sujet, par exemple ma brebis magique, elle est ici, hop, je vais tourner la tête du flash pour l'éclairer. Donc en direct sur mon sujet ou en le dirigeant par exemple vers un mur blanc dans la pièce qui me donnera une lumière beaucoup plus diffuse et moins dure. Les flash cobra disposent d'un emplacement dans lequel vous mettrez des piles, de préférence rechargeables, de ce type. Nous verrons ça plus précisément dans un épisode prochain. Certains flash utilisent une batterie rechargeable qui offre un plus grand nombre d'éclairs et un temps de rechargement un peu plus court. Le seul hic, c'est que si vous n'avez pas ou plus de batterie chargée, vous n'aurez plus de flash. Avec des piles conventionnelles, vous trouverez plus facilement un moyen d'en acheter ou d'en trouver, hormis si vous êtes... J'ai fait du feu ! Devant, quand vous l'allumerez, vous verrez une LED clignoter, ce qui vous indique qu'il est allumé et opérationnel. Au-dessus, c'est la cellule photosensible qui, si vous mettez votre flash en mode esclave, détectera un éclair pour déclencher, et qui va également recevoir les ordres venant d'un déclencheur externe type 560TX. Sur la gauche du flash, derrière cette protection, hop, que je vais retirer tout de suite, on trouve une prise connecteur de puissance, puissance externe en fait, qui vous permettra d'y brancher une batterie externe. Et à côté, une prise PC ou synchro. Alors, prise que vous pourrez relier à certains réflexes plus anciens, comme par exemple le D700. La prise se trouve derrière ce capuchon. Il faut savoir que, de nos jours, avec des flashs et boîtiers récents, les câbles ne servent plus vraiment. Autant utiliser son flash Yongnuo avec le transmetteur sans fil qui va très bien. Franchement, ça ouvre des perspectives géniales
Car pour le coup, vous pouvez régler grâce à votre 560TX ou 622TX jusqu'à 100 mètres de distance, la puissance, le mode de flash et le zoom. Je trouve ça génial. Le mode strobisme, pas cher et efficace. Donc si ça vous intéresse, allez cliquer donc, sur mon matos dans le descriptif de ce tutoriel et vous aurez les infos et un lien d'affiliation, histoire de me donner un petit coup de pouce. Merci à toi, mon Pixel. Ensuite, ici, on trouve deux choses. Alors, à savoir que sur mes modèles Yongnuo, c'est très compliqué à sortir. Donc, j'utilise un stylo ou n'importe quoi d'autre un petit peu pointu. C'est là que tu commences à voir le budget serré hein, au niveau définition de genre de flash. Mais bon, vous trouverez donc, une fois déployé, deux choses. Déjà, une sorte de carte rigide, blanc plastifié, qui, une fois sortie, permettra par exemple à l'éclair de moins aller éclairer le plafond, si vous shootez en pleine face de votre modèle. Ou, si vous placez votre flash de cette façon, en lumière indirecte, il servira de mini-réflecteur et créera en fait un effet de lumière type catchlight dans les yeux de votre sujet, pour lui donner un éclat dans le regard. Un petit peu comme si vous utilisiez une mini boîte à lumière face à votre modèle. L'autre accessoire est en fait un diffuseur de grand angle, enfin type grand angle, qui une fois déployé donc sur la tête du flash, permet de simuler un éclairage à 18 mm, donc un éclairage beaucoup plus large. Vous trouverez un tuto dédié donc au zoom très rapidement. Ensuite, le côté face. Donc, ce bouton va vous permettre d'allumer l'écran et de sélectionner si vous souhaitez que votre flash bip à chaque rechargement ou non. Là, il suffit de laisser le doigt dessus, et voilà, pour que la fonction soit activée, et on voit une petite note de musique apparaître en haut. Moi, je le désactive, j'aime pas trop quand ça bip à chaque rechargement. Le bouton mode juste à côté permet de choisir le mode manuel ou le mode strobe, qui va en fait envoyer plusieurs éclairs à différentes puissances, avec la possibilité donc de régler le nombre de clignotements et la fréquence du flash. Mais ça, c'est pareil, on en parlera dans la vidéo qui va venir un petit peu plus tard. À côté, ce bouton-là est le bouton en fait qui vous permet de régler les modes de déclenchement. Donc vous pourrez passer du mode hop, par exemple TX, au mode RX, au mode S1 et S2. Le bouton zoom, alors lui sera plutôt facile à appréhender. Il règle tout simplement le zoom hein, et vous l'entendrez en fait, car la focale du zoom bouge mécaniquement dans la tête du flash. Je sais pas si vous l'entendez avec mon petit micro-cravate, mais ça fait vraiment du bruit. La LED allumée ici. Donc en rouge indique que le flash est prêt à flasher, mais c'est également un bouton test qui va vous permettre de savoir si votre flash fonctionne correctement. Si j'appuie dessus, un éclair va jaillir. Voilà. Donc la LED passe au vert quand il recharge et redevient rouge quand il est prêt. La LED juste en dessous vous indique par exemple qu'un réglage est en cours de la part d'un émetteur externe. Donc ça donne une lumière bleue. Regardez par exemple avec mon 560TX, mon transmetteur, si j'appuie donc sur le bouton de réglage, si je règle la puissance, elle change automatiquement donc sur mon flash et en même temps la lumière clignote. Pour le reste, vous pourrez grâce à ces boutons régler la puissance de votre flash et également vous déplacer dans les menus tout en validant grâce à la touche centrale. Voilà, c'est fini. Le tour du flash est fait. Nous verrons dans la prochaine vidéo les fonctions donc, du flash Cobra de façon détaillée. Là, pour le coup, vous venez de prendre du grade en termes de connaissances au sujet du Flash Cobra. Donc vous êtes donc, à ce jour, sous-lieutenant. Bravo! Bon allez, ça fait trop longtemps que vous êtes derrière votre écran d'ordinateur, maintenant vous sortez et vous shootez! Bye.